Chantez Zadja, un chant nouveau. Sa louange depuis l'extrémité de la terre. Vous qui descendez à la mer et à ceux qui la remplissent. Vous, villes, et vous qui les habitez. Que le désert de ces villes élève la voix. Les petits villages qu'habite Kedar. Que les habitants du rocher poussent des cris de joie. Que du sommet des montagnes on crie avec force. Qu'on attribue la gloire à Jah. Et que dans les îles on annonce sa louange. Jah lui-même sortira comme un homme fort. Comme un guerrier, il éveillera le zèle. Il criera. Oui, il lancera un cri de guerre contre ses ennemis. Il se montrera le plus fort. Ésaïe 42, versets 10 à 13. Que ceux qui ont des oreilles entendent, car notre livre saint, la Bible, nous révèle des signes qui à nos yeux sont évidents. Combien de temps resterons-nous aveugles? Combien de temps refuserons-nous de voir ce qui se passe dans les îles là-bas en Jamaïque? Combien de temps resterons-nous à chercher ce qui se trouve dans notre maison? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Jah! Rastafari! C'est la CIA.